Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un QCM sur Moodle à partir d'un fichier Word qui contient des expressions mathématiques largement utilisées par les mathématiciens et les physiciens. Avant de commencer, je vous recommande de voir la précédente vidéo sur laquelle j'ai montré comment créer déjà un QCM à partir d'un fichier Word. Supposons donc que vous avez un fichier comme celui-là qui contient des questions à multiples choix sous forme des expressions mathématiques. Alors je signale tout d'abord que Word est un logiciel de type What you see is what you get. Alors que Moodle, toutes les expressions mathématiques doivent être éditées en utilisant le syntaxe LaTeX et en mettant les expressions entre deux dollars. Donc comment peut-on rendre ce fichier Word compatible avec Moodle? Alors, si vous utilisez une version d'Office 2016 ou une version ultérieure, ou peut-être une version d'Office 365 comme celle que j'utilise maintenant, aucun problème parce que ces versions-là supportent déjà le syntaxe LaTeX. Parce que lorsque vous sélectionnez une équation, vous voyez là déjà que vous avez le codage LaTeX. Alors, si vous utilisez des versions antérieures comme 2010 et 2013, à ce moment-là, vous serez obligé de taper, d'éditer les équations directement en utilisant le syntaxe LaTeX. Alors, personnellement, j'utilise une version d'Office 365 et j'ai pas de problème avec la conversion des fichiers Word en LaTeX. Donc, comment on va faire? Donc, la première des choses que je recommande, c'est d'abord d'essayer d'éliminer les mises en forme comme le mode italique ou le mode gras. Par exemple, pour ces équations-là, donc je vais essayer d'éliminer le mode gras et le mode italique. Donc j'ai déjà fait ça pour les autres questions. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais essayer de faire la conversion vers le LaTeX. Donc d'abord, je sélectionne juste une équation. Je vais aller sur équation, convertir en linéaire. Toutes les équations en mode linéaire. Et voilà vos équations qui apparaissent maintenant en syntaxe LaTeX. Donc l'étape suivante consiste, normalement à convertir le fichier, à enregistrer le fichier sur le format .txt. Donc je vais essayer de copier le texte. Bien sûr, je vais essayer d'éviter de copier la figure. Et je vais aller sur mon bureau, par exemple. Je vais créer un nouveau fichier de type texte. Je vais le nommer, par exemple, démo math test. Donc, je vais l'ouvrir et je vais coller le texte. Ah, voilà. Donc là, je vais essayer de faire quelques modifications. D'abord, bien sûr, vous pouvez directement, il y a une petite chose que vous pouvez faire encore, c'est que vous pouvez, sur votre fichier, puisque vous êtes sur une version d'Office 365, vous pouvez sans passer par la conversion, c'est-à-dire vous pouvez directement copier ce fichier, ce texte-là, directement en gardant la notation, en gardant le mode mathématique. Donc je vais copier ça, par exemple sur un autre fichier, juste pour le test. Quand vous collez ça, vous voyez que on va avoir directement la conversion vers le langage, vers le syntaxe LaTeX. Il n'y a pas aucun problème. Mais faites attention, ceci n'est valable que pour les Office 365 et les versions d'Office ultérieures à 2016. Ce n'est pas possible si vous travaillez sur 2013 ou 2010. Ça ne va rien donner. Okay? Alors, moi, je vais continuer avec celle-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Donc, je dois ajouter les ABC. Donc, A point espace B point espace C point espace. Et faites attention, je dois
ajouter des dollars pour délimiter le texte qui est en latin. Alors là, je dois délimiter ce texte avec des dollars. Tout ce qui est en mode mathématique doit être entre deux lignes. Et je vais faire la même chose pour le reste du texte. Donc voici la version que j'obtiens finalement. Donc j'ai ajouté les ABC pour toutes les questions. Donc vous voyez bien que je n'ai pas oublié d'ajouter, de signaler la réponse avec le syntaxe insert du point, puis la réponse. Et vous voyez que toutes les expressions qui sont en mode mathématique, elles sont délimitées par des dollars, avec des espaces, avec des lignes vides entre chaque question. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'on doit respecter ce qu'on a appelé l'autre fois le format ICANN. Maintenant, donc je vais enregistrer ce fichier. Donc, je vais enregistrer les modifications et vous vérifiez que vous êtes en encodage ETF-8. Donc, je signale tout d'abord que si vous avez fait attention, il y avait une image là, il y avait une figure que je ne peux pas introduire dans le fichier texte pour le moment. Et je vais vous montrer après comment je vais l'introduire en modifiant quelques propriétés des questions sur module. Passons maintenant à l'étape suivante. Donc maintenant, on va essayer d'importer le fichier créé sur Moodle. Donc je vais aller sur mon espace Moodle, je vais choisir un cours. Donc je vais aller sur l'administrateur du cours, plus. On va aller sur la banque de questions. Je vais aller sur catégorie pour créer une nouvelle catégorie, que je vais appeler démo. Math, par exemple. Je vais essayer d'importer maintenant les questions. Donc, je vais choisir le format ICANN. Dans Généraux, je vais spécifier la catégorie que je viens d'ajouter, des mots math. Et je vais choisir le fichier qui est sur mon bureau. Donc, je vais aller sur le bureau. Je pense que j'ai nommé le fichier démo math test, le voilà, je vais l'ouvrir, je vais le déposer et je vais commencer l'importation. Et voilà, aucun problème, les 5 fichiers que vous avez, il y avait 5 fichiers d'abord sur mon fichier Word, 1, 2, 3, 4, 5, et je vois exactement que vous avez les 5 questions. Je vais continuer. Donc voilà les 5 questions qui apparaissent dans ma banque de questions. Donc je vais essayer maintenant de vérifier les erreurs d'affichage. Je vais aller sur la première, aperçu. C'est bon, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. La deuxième. Alors là, je vois qu'il y a un petit problème là. Le partiel T, normalement là, c'est la dérivée de T. Donc je pense qu'il y a un espace qui manque là. Donc je vais aller modifier la question. Donc, modifier. Donc, je vais aller chercher les équations. Alors là, oui, il me faut un espace entre partiel et la lettre T dans les deux. Je vais enregistrer. Et je vais passer, donc je vais refaire l'aperçu. Maintenant, c'est bon. Je passe à la troisième. Très bien. La quatrième, aucun problème. Et la dernière, encore aucun problème. Donc, il me reste une petite chose à ajouter, c'est la figure qu'on a déjà dans notre document. Là, il y avait une figure que je dois insérer sur la troisième question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'enregistrer cette image. Par exemple, là, dans Images, donc je vais l'appeler Bobine, par exemple, 2, ok. Et puis, je vais aller sur la question là, je pense, c'était celle sur la bobine plate. Voilà, modifier la question. Alors là, dans la zone de texte, donc je vais importer cette image.
je vais aller chercher l'image sur mon disque dur. Donc sur image, c'était bobine, je pense. Voilà, je vais l'ouvrir. Je vais la déposer. Je peux bien sûr spécifier la taille. Donc là, par exemple, 300. OK. Je vais donner un nom aux bobines. Et voilà, je vais enregistrer. Donc, voilà, je vais enregistrer les modifications. Et je vais aller sur l'aperçu. Voilà maintenant donc l'image qui s'ajoute avec la question. Donc la dernière étape consiste maintenant à créer une activité de type test. Donc je vais enregistrer ça. Je vais aller sur mon cours. Donc j'ai créé déjà là un test de connaissance. Donc je vais entrer dedans. Là, il me demande de modifier le test pour ajouter les questions. Donc, je vais ajouter les questions à partir de ma banque de questions. Voilà, donc je vais filtrer par démon maths. Voilà les 5 questions que je vais sélectionner et je vais les importer. Donc voilà, donc maintenant je vais configurer un peu là les notes. Donc vous avez 5 questions, donc la somme ça va être 5. Vous pouvez encore donner 2 points par question d'une manière à ce que vous avez une note maximale de 10. Je vais activer l'option mélanger et je vais enregistrer. Très bien, donc je vais revenir en arrière sur généralité. Je vais accéder encore une fois à ce test et je vais faire une prévisualisation pour voir comment les questions vont se comporter. Donc voilà, la première question qui s'affiche. Donc, je vais choisir la bonne réponse. La suivante. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème au niveau de l'affichage. C'est magnifique, c'est très bien. La deuxième avec l'image insérée. Alors là, l'avant-dernière sur la loi de Gauss, je pense. Donc, voilà, la troisième. Et puis la dernière sur la limite, je pense, voilà. Et je termine le test. Envoyer terminé et la confirmation. Et voilà mon rapport final. Avec les réponses sélectionnées et la correction. Et bien sûr, les détails sur la note. Normalement, c'est terminé pour cette vidéo, mais je vais revenir sur le problème qu'on peut y avoir avec les versions antérieures d'Office. Par exemple, si vous travaillez avec 2013 ou 2010, alors à ce moment-là, comme j'ai déjà signalé, vous devez taper, écrire vos équations directement en LaTeX. Par exemple, pour cet exemple de limite, alors là, on doit écrire en T/, lim pour limite, underline, donc le tiret de 8, je vais ouvrir une accolade, x de 0, je vais fermer l'accolade, je vais ouvrir une autre, la fraction, donc frac de sin x, sur x égale 1. Et puis donc normalement, ça c'est le texte que je vais y avoir à la place. Donc là, ça va être la première réponse, la deuxième et la troisième. Là c'était égal à 0. Là c'était 1/2, donc ça va être normalement frac de 1, 2. Donc voilà, donc vous pouvez là ajouter des ABC et voilà.
Alors, vous pouvez, si vous voulez vérifier, là, je suis sur 2016, donc je peux tout simplement donc, faire la conversion, mais ce n'est pas possible sur 2013. Alors, une autre option, c'est que vous pouvez écrire ça sur un éditeur en ligne. Donc là, si vous avez un éditeur en ligne, alors vous pouvez faire des expressions. Donc là, pardon. Alors, pour la limite, donc voilà, limite. Donc, je vais ajouter tout simplement x de 0. Et vous voyez là l'affichage graphique. Donc, vous avez l'affichage graphique qui va vous permettre de corriger automatiquement. Donc, voilà. Oui, la fraction. Alors, la fraction, je peux l'ajouter à partir de l'aide graphique. Okay. Et encore la sinus, je peux la trouver là sur les fonctions. Donc, sinus x sur x égale R. Et après, vous pouvez. Alors là, je pense qu'il y a un petit problème. Alors, c'est quoi? Donc, lim under de 0. Donc, la fraction sinus x là, normalement, oui. Maintenant, c'est bon. Donc, je vais prendre ça. Et je peux le copier sur route, tout simplement. Je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Merci et à la prochaine fois.